Patrick, tu me fais l'enchaînement tout trouvé là parce que du tout de Fabrice Luchini dans l'émission, il y a Lara Fabian qui va chanter avec toi dans un moment là. Il y a un duo avec Fabien. Alors Lara Fabian, c'est ton choix également. Deux femmes dans cette émission, Axel Red tout à l'heure et Lara Fabian tout de suite. Pourquoi Lara Fabian? Je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a une puissance émotionnelle et une voix très forte, exceptionnelle. Mais c'est quelqu'un d'un peu insécure. Donc c'est quelqu'un qui parfois a peut-être besoin d'être plus démonstratif qu'elle ne le devrait. Mais je pense que les années et le succès lui donneront ce recul et cette sérénité qui lui permettra peut-être d'avoir moins besoin de convaincre. Moi, je sais ce que c'est. Hein. Je sais de quoi je parle, hein, là, quand je dis ça. Toi, tu l'as fait. Ouais. Donc, je sais par quoi elle passe, là. Et ce qui restera de Lara Fabian, c'est sa voix et ses jolies chansons, si elle a des jolies chansons par la suite. Parce qu'elle a des belles chansons, je trouve. Avec un duo formidable, je te le dis quand même. Bruel, Fabian, sublime. Et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Alors on va se quitter comme ça, comme dès qu'on vend le café d'en bas, comme dans une série B. On est tous les deux mauvais. À notre histoire. Non, non, non. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais quand même te dire merci. C'est ma chanson préférée de Bruel parce que c'est en plus c'est celle que j'ai achetée énormément pour l'offrir parce que c'est celle qui me disait quelque chose, c'est celle qui me touchait, c'est une des premières chansons que j'ai achetée en cadeau à Rick quand je l'ai rencontré, où je voulais lui dire voilà ce que j'aime, cette simplicité, cette force dans la simplicité, cette manière de dire quelque chose aussi droitement, aussi sincèrement, avec une belle mélodie et un texte franc. Comment tu perçois l'homme? C'est quelqu'un de passionné et quelqu'un qui derrière ces immenses yeux de soleil cache une insécurité et une fragilité énorme. Moi, c'est sa fragilité que je perçois. C'est ce paradoxe, en fait, cette espèce de paradoxe ambulant qu'il est, qui me saisit, qui me touche. Oh, je crois que les grands le sont un peu tous comme ça, comme lui, comme Bruel. Ça, c'est plutôt... Moi, c'est très flatteur. Je suis content qu'elle ait chanté, je te le dis quand même, et puis qu'elle l'ait chanté comme ça, surtout. Elle a montré qu'elle pouvait amener une émotion par quelque chose de plus intime, comme ça, de plus susurré.
J'aime beaucoup cette interprétation. Patrick, on parlait de la scène tout à l'heure. Est-ce qu'on va retrouver sur scène ou...